Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Dragon Ball Heroes. Et on s'enchaîne avec le Jacquario Mission Part 6. Donc, le full set, comme d'habitude. Donc, on commence par les 30 communes. Donc, un Gohan. Gohan adulte. Enfin, pseudo adulte. Vegeta. Petit cœur. Hercule, Bardock, Goku, Krillin, avec il a vraiment un gros crâne sur cette image là, Corbeau Génial, Topaipai, je sais plus comment il s'appelle, ouais bref on s'en fout, Sangohan, genre mode Namek, Vegeta, Nails, je sais plus. Tenchinan, Chaos, Yamcha, un Trunks sympa là, tenue d'entraînement, très classe, Krillin, C18, Gotrunks, Bou. Kibito, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle ce Google. Gohan, Goten, Hercule qui a plus de cheveux, Bou avec un super roux derrière, Pan, plutôt sympathique celle-là, C18 et Oob. Et Rild, normalement, de GT. Donc ça, c'était les 30 communes. On passe sur les 15 rares. Donc les rares avec effet gold. Donc on a un joli Goku. Tortue Géniale. Celle-là, elle est sympa. Goku GT, Super Saiyan 3. Celle-là aussi elle claque. Trunks. Slug. Cell. Hatchiak. Moi j'aime pas trop celle-là. Spovovich. Spatulvich, j'en sais rien. Babidi. Bibidi. Bou, un autre bou, et encore bou, et un baby Vegeta. Celle-là, elle est classe aussi. Donc, ça, c'était les 15 rares. Ensuite, c'est une très grosse série, hein. Il y a un peu plus d'ultra rares. Donc, ça, c'est les 13 super rares. Celle-là, elle est juste trop belle. En rouge comme ça et tout ça. Donc Goku. Petit cœur. Avec, je sais pas trop. Avec ses veines jaunes là. Je sais pas d'où ça vient. Je sais plus comment il s'appelle. Là c'est hors de mes connaissances. Ces persos là. Laisse tomber quoi. Je m'en rappelle plus du tout. Tout ce qui est période de Ball et. Début Dragon Ball, je me rappelle plus quoi. C13. Docteur Gero. Docteur Mew. C'est ça hein? Ou c'est. Hatchiak. Ouais. Mew, c'est le robot. Vegeta, Super Saiyan 3. Majin Vegeta. Super jolie cette carte. Je kiffe. On a un joli Vegeto. Et pour finir, un Gogeta. Ah non, mais pas. Reste une carte. Gogeta de série 3. Ça, là, elle est classe. Pour une fois, ils ont les éclairs orange. Je trouve ça super classe. Ça le fait. Et il est là, le Docteur Mew. Donc, ça, c'était les 13 super rares. Là, je vais montrer le campagne 7. Il est juste magnifique. C'est un de mes préférés, quoi.
il fait vraiment mal aux yeux. Avec les trucs verts. En fait, ça rend pas pareil à la caméra. Je sais pas, c'est bizarre. C'est super vert, quoi. C'est. Vous voyez du vert, mais c'est encore plus vert en fait. C'est abusé, c'est une sorte de vert fluo. C'est juste abusé, quoi. Elles sont magnifiques. Donc, un Goku. Un Vegeta. Elles sont vraiment trop belles. Petit cœur. Ouais, ça rend pas pareil hein, sur la caméra. C'est dommage. Goten. On a un Trunks. Bou. Franchement, comment on peut pas aimer ces cartes? Elles sont trop belles, quoi. Ça brille trop bien. C'est juste génial. Kaioshin. Et la dernière. Un Hercule. Donc voilà, ça c'était les campagnes 7. Enfin, le campagne 7. Ah, j'ai laissé tomber une carte. Sacrilège. Et là, on arrive aux ultras. Ultra rares et secrètes. Donc il y a 6 ultra rares. C'est juste énorme. Et 2 secrètes. Donc on commence avec la première ultra rare. Je me rappelle, franchement, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est plutôt sympathique. Celle-là, elle est classe. Un Goku, guerrier 4. Je kiffe. Non, deuxième ultra. Troisième ultra. Super joli. Le Vegeta Super Saiyan 4. Elle est trop belle. J'adore. Vegeta en Gaï 4, je l'adore. Il a trop la classe. Ensuite. Su Shenron ou Su Shenron, je sais plus. Vraiment joli aussi. Tous les effets dorés là, orange et tout. C'est vraiment super classe. Hop. Ensuite, on a le Xenotrunks qui sort avec le jeu Dragon Ball Xenoverse. Je suis pas trop fan. On a un Goku avec Jaco, le patrouilleur. C'est chaud, hein. Et là, on arrive aux deux secrètes. Donc, première secrète. Goku 4 avec le dragon derrière. On dirait pas trop une secrète parce qu'il y a beaucoup de doré. Mais c'est les effets argent là qui font secrète. Enfin bon, de toute façon, c'est marqué quoi. Mais ouais, sur le coup, on dirait pas trop de secrète. Elles se confondent vachement avec les ultra rares. Donc ça, c'est la première secrète. Et la secrète numéro 2. Donc là, ça se voit vraiment argenté et tout. Voilà. Un petit cœur. Elle est plutôt sympathique. J'aime bien. Donc voilà. Je vais mettre ça de côté comme ça. Hop. Ça, vous avez une vue d'ensemble. Ben voilà, dites-moi ce que vous avez pensé justement du JM6. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. C'est toujours gratuit. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!